zu selberer Zeit hat es etwa 2000 Abonnenten gehabt. Und jedes Heft ist von etwa 4 Personen gelesen worden, ganz im Versteckten. Herr Wurstenfeld, ich habe hier noch Ihre Wäsche. Bonjour à tout le monde, c'est un stosser Tag. Et moi, je suis Rebirap. Et bonjour à tous, encore une fois, sur clap.ch. Nous avons grand plaisir de vous présenter le film Der Kreis, Le Cercle. Je suis ravie de vous avoir ici. C'est un honneur de vous rencontrer ici, dans cette belle salle du Capitole en plus. Oui, grand merci, ce que... nous pouvons venir ici, que nous sommes ici maintenant. Ça nous fait grand plaisir. Oui, moi aussi, je remercie beaucoup. Et c'est intéressant et c'est quand même spécial pour nous de venir à Lausanne pour ce film et pour des interviews. Nous avons eu des... nous n'étions pas tout à fait sûrs si ça arrive bien ou non. C'est tout de même c'est différent si ça arrive dans les cinémas ou si c'est dans les festivals. Car l'audience, c'est différent. Et maintenant, nous sommes ravis que ça marche tellement bien. En Suisse alémanique, déjà la 7e semaine maintenant, et puis ça commence en Romandie, et ça me fait un plaisir immense de savoir que le film vient en Romandie, car ça, c'est quelque chose qui est près de mon cœur. J'étais, la première fois quand j'étais en Romandie, c'était quand j'avais 15 ans, et c'était pour des travaux chez un paysan pour apprendre un tout petit peu la langue. Mais j'ai appris plutôt des mauvais mots, ce qui... la langue paysanne vaudoise, c'est assez différent, mais ça me fait grand plaisir quand je rentrais, quand tout le monde commençait à rire. Et maintenant, je suis ici naturellement. Entre temps, alors j'étais assez souvent, et nous étions tous les deux assez souvent en Romandie parce que nous avons des amis à Genève et aussi à Lausanne, mais ceux, ils sont morts maintenant. Pour moi aussi, c'était la première fois. J'étais encore à l'école et on est venu pour quelques semaines à. J'étais à Renan, chez un paysan qui a aussi des vignerons et tout ça. Et c'était nouveau pour moi, mais pour apprendre un peu le français, c'était juste finir la guerre, vie. Mais j'étais ici à Renan et après de nouveau à la maison. Mais maintenant, j'étais naturellement plusieurs fois. À Lausanne et à Genève, et comme ça. Mais maintenant, c'est un grand plaisir d'être ici avec le film. Mmh. On n'a jamais pensé, ça, un grand succès comme ça, notre histoire. Mais maintenant, on est très contente et on a beaucoup de plaisir. C'est l'histoire de... l'histoire gay de la Romandie aussi, car nous avons connu les gens qui formaient le premier groupe gay ici à Lausanne. Ça s'appelait Symétrie. Et c'était dans les années 50, commencement, 72. Ça commençait avec Symétrie ici à Lausanne et puis en même temps aussi ça commençait à Genève. Ouais. D'accord, donc vous avez toujours eu des contacts oui. Et j'avais des contacts que maintenant je suis membre de Dialoguer de Genève depuis que ça existe, c'est 92. Thank you.
C'était un rêve à nous et un devoir aussi de raconter l'histoire du cercle, d'Akraes, le cercle, The Circle. Quand c'était le magasin, c'était en trois langues. Et je participais à la rédaction de ce magasin à partir de 1955. Et Roby, il était à la groupe du théâtre, qui jouait du théâtre au Kreis, au Cercle. Et lui, il a commencé déjà quand il était... quand il avait 18 ans, oui, le directeur de Cercle, c'était un acteur de théâtre. Alors il m'a vu, comme j'étais un garçon, dans les théâtres Schauspielhaus, et il m'a demandé, est-ce que tu peux venir une fois pour... j'ai besoin d'un acteur qui peut aussi jouer une femme. Et depuis là, j'ai presque tous les années des parts dans les théâtres ou de cabaret en femme. Un film, oui, parce que même à Zurich, où le cercle était domicilié, alors c'était, on l'oubliait. On a parlé d'un mouvement qui s'appelait le Kreis, un mouvement clandestin, et c'est plutôt une légende, mais on ne savait plus rien. Alors nous avons pensé, maintenant ça, il faut changer, car c'était tellement important. Et peut-être il y a deux possibilités pour que ça change. Alors c'est de faire un livre, ce qu'on avait fait d'abord, et puis de faire un film, ce qu'on a fait après. Et l'idée d'un film, c'est une autre idée, mais nous avons cherché des gens qui pouvaient réaliser cette idée. Et d'abord, c'était deux femmes qui voulaient faire un documentaire. Mais ça ne marchait pas, parce que, au point de vue de finances, on ne trouvait pas assez de monnaie pour faire ce film, alors c'est mort. Et puis alors on a fait un livre au lieu de ça, parce que ça ne coûte pas tellement cher. Et puis après, on a rencontré Ivan Madeo, et alors nous avons parlé à lui, et puis il a commencé à travailler, et alors on a trouvé le directeur, qui était Stefan Haupt. Mm-hmm. Nous avons connu son frère, et il est un ami à nous. Et nous avons connu aussi lui, mais de loin plutôt. Et maintenant, alors peu à peu, on est allé plus au centre de ce projet. Et ils nous ont donné à lire les comment dit-on ça en français, les scripts. Et c'était presque une trentaine de scripts que nous avons lus. Oui, ça a toujours changé. Oui, dans 8 ans. Wow. Oui, d'accord. Oui. D'abord, on a pensé, on peut aussi faire avec Allemands. Et après, les Allemands ne voulaient pas payer. Et comme ça, c'est resté pour la Suisse. Et pour ça, naturellement, c'était aussi difficile de trouver d'argent pour faire ce film. Et ça a duré presque 8 ans jusqu'à ce que c'est venu comme ça. Mais oui, avec l'Allemagne ensemble, alors qu'on voulait faire un Spielfilm, un film de fiction. De fiction, oui. Un film de fiction. Et alors, après, il ne restait que la Suisse. Alors ça, il fallait diminuer. Et on a trouvé cette solution avec fiction et documentaire, oui. Nous étions très heureux parce que un documentaire, alors c'est seulement basé sur nous.
et sur nos racontes, ce que nous racontons et nos mémoires et tout ça. Et avec une fiction, un film fiction avec des acteurs qui montent ou qui jouent nous quand nous étions jeunes, ça fait une dimension de plus. Et puis alors ça apprend une sorte de profondeur, ce que nous allons chercher. Et on a eu un très bon contact avec les deux jeunes acteurs qui nous représentent dans le cinéma. Alors, ils sont venus des amis de nous. Et eux, ils veulent aussi faire la connaissance avec nous. C'est difficile pour un acteur de jouer une personne qui vit encore. Mais alors, c'est très bien réalisé maintenant et vraiment. Oui, c'est une chance. Aussi, oui. Ils ont dit ça, c'est une chance. Mais nous voulons être ensemble avec vous. Nous voulons voir comment vous parlez, vos gestes, comment vous marchez. Oui. Alors, on est allé se promener ensemble. Eux, ils étaient derrière nous pour regarder. Et alors, on est devenus des assez bons amis comme ça. Quoique, les deux acteurs, ils sont des hétérosexuels. Et maintenant, nous connaissons aussi leurs amis. Et puis, alors, on est très heureux comme ça. Oui, ça va bien. Non. Monsieur Haupt de faire des choses. Oui. Il est venu, il a demandé des fois pour expression des mots et des choses qu'on a parlé dans le 50. Oui, le dialecte est 50. Parce que là, il y a quelques, comme en français aussi, ici aussi naturellement, à Lausanne ou bien à Genève. Alors c'est une différente sorte de s'exprimer au courant de 50 ans. Et alors on a cherché des mots de ce temps, ce que nous savons encore. Alors on les a transportés comme ça dans les textes. Et pour les textes seulement, ce que nous avons eu la possibilité de changer quelque chose, c'était pour voir si c'est historiquement juste. Stefan Haupt avait vraiment une entière liberté dans les parties fictives aussi. Et il nous a, naturellement, il nous a défendu de venir quand ils ont fait le film. Car ça, nous savons ça, naturellement très bien des acteurs, car quand ils savent que nous sommes pas loin, alors ils ne peuvent pas jouer comme il faut. C'était un grand moment de nous quand on avait eu comme c'est la réalisation, et comme c'est réalisé, c'est venu, on est vraiment bien touchés. Mm-hmm. On avait plaisir, on a pleuré presque, mais c'est vraiment bien fait. Mm-hmm. Sûrement les scènes de documentation et le spiel scène, ça c'est une très très bonne chose qui est très bien faite dans le film. Et c'est aussi les changements de fiction à documentaire. Et je crois aussi parce que on veut réaliser, c'est un acte de l'amour et pas seulement sexualité. Et ça vient, c'est très bien à la réalisation de le film maintenant. Et quand nous avons vu le film pour la première fois, alors on était ensemble, tout près. Et il y avait des moments alors où je lui tournais comme ça, parce que
C'était tellement émouvante de voir des choses réalisées dans le film, des choses qui étaient la réalité, mais il y a très très loin, longtemps. Et maintenant, c'est devenu, c'est monté comme une explosion. Et c'était assez... Oh, nous avons pleuré, nous avons eu des moments de rire aussi, bien sûr. Et alors, c'était du tout. C'était comme un choc. Ce que nous frappe, ce sont les hétérosexuels qui viennent voir le film. Nous avons pensé que c'est un film qui n'est que seulement des homosexuels, des femmes et des hommes qui viennent le voir. Mais ce n'est pas vrai, ce sont les hétérosexuels qui viennent et qui sont touchés et qui disent après, alors ce sont des choses que nous ne savons pas, que nous n'avons jamais su. Et maintenant, alors on voit quelque chose et on voit, c'est une minorité qui a une histoire clandestine et qui a souffert beaucoup de notre innocence ou même de nos pensées que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et alors, de cette distance que nous avons eue, et maintenant c'est différent, et on commence à réfléchir, et c'est ça ce que le film, c'est ce qu'il doit produire, un changement dans les pensées des gens. Ouais. Oui, ça c'est bien réalisé, ça vient. Ouais. Et c'est nécessaire en Suisse aussi. Est touché aussi. Ouais. On a aussi des lettres ou des téléphones ou des personnes sur la rue qui disent « J'ai vu le film, c'est fantastique ou c'est bien. » Et une dame nous écrit « Maintenant je sais pourquoi mon frère se suicide. » Se suicide. Maintenant je sais pourquoi. » Il y a 10 ans, elle avait dit qu'il y a 10 ans que je ne savais jamais pourquoi. Il a fait ça, j'aimais bien mon frère. Et tout d'un coup, il fait des choses comme ça, il se tue. Et maintenant, avec le film, tout d'un coup, je voyais, oh, c'était ça. Et maintenant, j'ai des autres idées, je le vois d'une manière différente. Je vois ces côtés qui étaient tabous. Et ça en Suisse. Et dans des autres pays, nous étions en Italie aussi, où les gens sont encore beaucoup plus émus, car la situation est beaucoup pire que chez nous. Et il y a 10 jours que nous étions en Ukraine, à Kiev, et puis là, c'était encore... C'est horrible. Ouais. Et les gens étaient tellement touchés. Ils nous ont posé des questions. Et on restait dans la salle jusqu'après minuit. Et ils ne voulaient pas partir. Mm-hmm. Ouais. Nous avons fondé une société, une organisation. Qui continue et nous avons aussi eu un magasin comme le Kreis, mais c'était seulement en allemand. On n'avait plus la force, on n'avait pas les moyens du tout pour faire autant que le Kreis. Oui, c'était beaucoup beaucoup moins. Et puis après, c'est grandi avec les années à partir de 68.
Et dans les années 70, alors ça commençait à changer plus de un tout petit peu, et puis on est allé avec des grands pouvoirs, ensemble avec les étudiants, et les étudiants en révolte, comme c'était à Paris aussi, et à Genève, et puis également à Zurich et en Allemagne. Alors la révolte des étudiants, et pour faire une société plus libre, pour une vie plus libre que ce qu'on avait auparavant. Et ainsi, alors, nous étions partis de ce grand mouvement. Et alors, nous avons eu la force, et nous avons dit, il nous faut aller même, aller en public, même, et pour aller dans les rues, avec des paravents et dire et demander, nous avons les mêmes droits que les autres, et il nous les faut donner, et il faut cesser d'avoir les listes de police sur les homosexuels, ce qu'on avait fait aussi à Genève. Et peut-être, je ne sais pas tout à fait sûr qu'à Lausanne, mais à Lausanne, on avait aussi, une fois, on avait un grand meeting ici, c'était en 81. Et puis alors, la police et le gouvernement de la ville de Lausanne nous a mis à côté. Ils ne nous ont pas laissé entrer le centre-ville pour commencement, mais on a tâché de nouveau, et puis on est allé dans la presse, et puis avec la presse, alors enfin on avait le droit, mais c'était une sorte, je ne dirais pas guerre, mais c'est une sorte de force, de grande force, un effort spécial, ce qu'il fallait faire pour obtenir la possibilité et le droit de démontrer ou bien de faire un cortège à travers la ville. C'était en été 81. Oui, et puis après alors, ça commençait aussi de changer. Peu au peu, oui. Mais on avait naturellement aussi la chance, après la guerre, il y avait beaucoup des écrivains qui n'ont pas pu publier leur histoire ou bien leur théâtre parce que c'était défendu en Amérique, en France, et ils sont donnés sur un pseudonyme dans notre magasin du Kreis. Oui. Et pour ça, naturellement, la qualité était très haute. Par exemple, Jean Cocteau a écrit et donné aussi les dessins, et James Barr, America, il a donné le théâtre. On avait la chance pour changer en allemand la traduction, et on a joué ça en allemand, et naturellement c'était une bonne qualité. Et après, le temps de ça a changé en Danemark et Suède et Hollande, les cahiers ou bien des magasins là, ils sont venus beaucoup plus ouverts, avec des photographies nues et après les abonnements, ils sont partis de Kreis parce que c'était trop littérature, et comme ça c'est aussi réduit. On n'avait pas. Après, c'était aussi, on n'a pas pu faire des grands bals de nous parce que ça était défendu par la police. Et comme ça, on n'a pas d'argent parce que ces fêtes sont venues depuis 800 personnes partout. Et ça donnait du monnaie. Et
après, sans, avec ça, on n'a pas pu faire des fêtes encore. C'était défendu de danser, les garçons ou les hommes ensemble. Alors ça, c'est naturel. C'était aussi une terrible chose. C'est pour ça que c'est mort aussi. Et nous avons eu un intérêt mort à cause de ça, parce que c'était la police, et c'était la police de la ville de Zurich qui était tellement contre, et ça nous a donné de la force intérieure pour se dire, alors non, là il faut changer quelque chose, et on va continuer de toute façon, et coûte que coûte, et avec toutes les possibilités, avec des plus jeunes que nous. Nous étions environ 30 dans ce moment-là, oui. Et alors, avec des plus jeunes, avec des étudiants qui étaient peut-être encore 10 ans plus jeunes, et alors, pour changer la situation. Car c'était la situation qui était perverse, c'était pas nous. Oui, on pourrait ainsi dire, parce que la victoire, c'était la victoire de la vote au canton de Zurich. Parce que le canton de Zurich, il est arrivé. D'abord, c'était Genève, avec le Pax, en 2001. Et puis, c'était Zurich qui a fait une loi qui allait encore beaucoup plus loin que le Pax, et qui allait seulement sur les homosexuels. Et pas sur les gens qui vivaient ensemble comme ça, en concubinat. Et non, c'était aussi loin que possible. Et puis, naturellement, il y avait des gens qui étaient contre et qui ont fait le référendum. Alors, pour ça, il y avait une vote. Et puis, ça nous donnait la possibilité d'aller en public pour gagner ce vote. Et on a gagné avec 57%. Et alors, c'était vraiment fantastique. Et nous étions là, ensemble avec naturellement beaucoup des autres. Nous étions dans la télévision, nous étions dans la presse et nous étions dans la radio aussi pour parler, de donner nos argumentations et de dire voilà, c'est quelque chose qui est au fond, qui est le droit. Et on ne peut pas supprimer le droit, on ne peut pas couper le droit et dire c'est quelque chose qui est seulement pour une majorité et pas pour une minorité, ça ne va pas. Et ainsi, alors, on pouvait convaincre les gens. Et puis après, deux ans plus tard, alors, on a fait ça toute la Suisse. Et avec la nouvelle loi du canton de Zurich, qui commençait le 1er juillet 2003. Nous étions le premier couple pour se marier, là, comme ça. Oui. C'était une grande journée. C'était tellement... Oui. Et c'était... Des reporters sont venus de toute la Suisse, de tous les corps. Les coins de la Suisse aussi. Et là, il fallait savoir ce qu'on allait faire et ce qu'on dise, comme ça, genre de donner ces idées dans toute la Suisse. Wir sind doch kein Verbrach. Wir sind kein Verbrach.